Bonjour, c'est Fabien, fondateur du programme 66 et auteur du livre « Multipliez vos chances par 6 de perdre du poids ». Je lance une série de vidéos sur les astuces et conseils pour être en forme, en bonne santé et avoir les formes. C'est-à-dire perdre du poids, se muscler, renforcer une partie du corps ou augmenter ses performances sportives. Pour créer cette série de vidéos, j'ai besoin de vous. Suivant votre expérience ou constat bien fait auprès d'autres personnes, quels sont les conseils ou astuces que vous donneriez? Ce conseil ou astuce peut être un exercice, un entraînement, une méthode, un rituel, une planification, une position, une stratégie, un sport. Cela peut être aussi des conseils alimentaires. Donc, les conseils alimentaires peuvent être donnés, mais seulement si c'est en rapport avec l'activité physique. Votre astuce ou conseil peut être efficace ou pas. Voici une note que vous pouvez donner à votre conseil en rapport avec les images que je vous présente dans cette vidéo. Super, bon, moyen, bof ou mauvais. Donnez-nous votre conseil ou astuce simplement dans la zone de commentaires ci-dessous. Donnez-nous votre avis personnel sur ce conseil ou cette astuce. À la fin de votre commentaire, eh bien, mettez une note. Vous pouvez également me partager votre conseil afin de savoir s'il est efficace ou pas. Je vous répondrai le plus vite possible. Voici par exemple un exemple. Eh bien, combinez différentes activités pour perdre du poids. Eh bien oui, je conseille jamais de ne s'enfermer dans un seul sport quand on veut mincir ou quand on veut se dessiner une silhouette joliment musclée. Pratiquer différents sports à la fois dans une séance, dans la semaine ou toute l'année, eh bien, sera plus bénéfique et surtout plus motivant. Donc ma note, eh bien, je donne 5. C'est à vous. Suivant votre expérience ou constat fait chez d'autres personnes, eh bien, quels sont les conseils ou astuces que vous donneriez? Donnez-nous votre conseil ou astuce dans la zone de commentaires ci-dessous. J'ai hâte de vous lire. À bientôt. You on my